Le 07, n'oubliez pas que les gardes sont des civils innocents. Utilisez les fléchettes de votre stylo pour les neutraliser. Bon, bienvenue à tous sur la chaîne du Neo Retro Gaming. On est de retour sur 007 Nightfire. Le jeu de l'AGN. Aventure, gadget, minibar. Faut dire que je pense que Pipan était présente pour le développement du jeu. Là, c'est phase infiltration et on nous a conseillé d'y aller avec la fléchette. Donc il faut que je sorte mon gadget du sol. J'ai combien de fléchettes à disposition? Apparemment, c'est infini, mais. Il y a 2 secondes ici. Non. Si, il y en a là en tout cas. Mon but n'est pas forcément de tuer tout le monde, hein. C'est de passer inaperçu. Regardons déjà quand même. Ne pas se faire repérer, bien évidemment. Et voler les données de Nightfire sur le terminal. Ok. OSS en action. Ça reste les ascenseurs qui nous intéressent, je crois que oui, parce que là c'est un cul-de-sac. D'ailleurs, étrange. Je pense qu'en fait l'entrée était là-bas où on venait. Donc c'est bien ça, il faut que je les bute pour pouvoir passer. On reste dans James Bond. Tout est prétexte à faire usage de sa carte blanche, justement. Ils sont 3. On va voir s'ils sont vraiment débiles. Parce que si je tue lui, est-ce que les autres vont réagir? C'est ça que je me pose comme question. Une nuit passionnante dans le parking. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on se retrouve toujours là? Il a juste trop bu, c'est tout. Rien faire, et en plus, lui, il est dos. Ce gars qui nous gueule dessus pour se défouler. Oh non! Bon, on connaît le délire. Faut pas, c'est débile. Fallait bien se mettre dans le bas. Objectif parce qu'il y en a direct. 07, n'oubliez pas que les gardes sont des civils innocents. Utilisez les fléchettes de votre stylo pour les neutraliser. Ah, juste une migraine, c'est tout. Il m'a vu. Il me voit. Je les ai sous-estimés. On n'a jamais sous-estimé son adversaire. Pourtant, il l'a dit. Là où de ceux, non, je sais plus. Donc, on recommence. Bon, le petit. C'est rien, on a à moitié un fantôme là. Ça veut dire que les gardes sont des civils innocents. Utilisez les fléchettes de votre stylo pour les neutraliser. Ah mais ça marche pas, merde, merde. Je me fie de lui. Tout à l'heure on était bon. Ouais, c'était dans l'ombre. C'est qu'ils sont pas encore là ou quoi? Si, si. C'est que je les voyais pas. Je pense pas que ça peut toucher d'ici. Hein. Faut que je le tire dessus avant qu'il me voie. Je peux pas zoomer, donc ça me fait un peu chier. Ça.
C'est lui là-bas qui me fait chier. Et l'autre, il est où? Et là. Ah, j'aurais pas mis, c'était bon. Bon, on connaît le dealer du bug. Alors que je change rapidement. Hop, hop. 007, n'oubliez pas que les gardes sont des civils innocents. Utilisez les fléchettes de votre stylo pour les neutraliser. Ah, c'est pas là, c'est après ça. Dans le parking. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on se retrouve toujours là? On passe la nuit à rien faire et en plus... Bizarre, j'ai pas l'impression que ça sort mal d'ascenseur à destination. Oh la merde. Ça finit apparemment. Tant mieux. Et tu veux passer, oui. Donc on peut pas interagir avec Assis. Peut-être qu'ils sont, ils sont désactivés, d'accord. Ok, c'est écrit au-dessus. C'est bien ça, on continue. En fait, c'est pas là que ça se passe. Les escaliers. Ok, c'est sûrement là. J'essaye quand même des fois que... Enfin, on va pas interagir avec malgré que... C'est bah, c'est l'alarme en fait, je suis con. C'est l'alarme. Ok, ok, il y a personne, c'est là. Quel truc, trouver un petit secret. Voilà. Allons-y. Grimpons. F5. Chargement, il n'avait pas forcément besoin d'en faire un. Ok, d'accord. Trouver les passes de sécurité, trouver la salle de sécurité. Il roupille comme d'habitude. Quoi? À l'accueil? C'est pas grave. J'ai posé la clé à l'accueil. Je n'ai pas voulu le réveiller. Quel accent, l'accent chinois bien, bien poussé. Hein. Si mes oreilles ne me trompent pas. Bon. On vient de là. Non? Non, on vient plutôt aussi. De là. Donc qu'est-ce que là? Ah mais ça cherche partout quoi. Je crois que c'est pour redescendre partout. Ça c'est d'être pour redescendre tout simplement. Parce que vu qu'on va pas l'ouvrir... ça lance un cut quoi, un chargement, c'est parce que c'est pas juste une pièce quoi, comme ici. Mais il faut la carte. Je vais pas te la ramasser sur les dessins, les mecs. Tous les coups on en fait tomber une. J'ai pas dû la voir. Même pas. Donc faut que je la trouve. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a des gardes, mais il n'y a pas de caméra de sécurité. Bon, se trouve, je parle trop vite. L'air d'avoir ça en coin. Donc c'est des morts. Hein. C'est mort. Y a rien qui se passe. Quoi? Ah, y a du monde au-dessus. Il est où? C'est-à-dire qu'on peut grimper déjà.
Il y en a là, tu vois. Oh, il m'a vu. C'est pas évident, faut que je grimpe, faut que je monte. Échec de la mission, oui. Donc c'est sûrement une autre porte alors. Bon, je vais quand même tester du bas. Apparemment ils sont pas très méfiants, on peut se les faire sans trop de soucis. C'est jamais qu'il me gênerait une fois que je serai en haut, j'en sais rien. L'occasion se présente, donc on peut pas la louper. T'en fais pas, il roupille comme ça. Est-ce que j'en fais? Salut! Allons-y! Oh, je me suis foiré. Tu veux jouer à ça? Allez. C'est quoi mon truc qui passe? C'est de la merde! Non! Mais il veut plus tirer! Ça bugue quoi? Les combats du siècle, les gars. En fait, il sert à rien, le truc. Du coup, avec ma montre. Tiens. Tu veux ma carte? Ah, mais je crois que j'avais déjà ma carte! Donne-moi ton adresse. Je sais pas quoi ça sert, ça. Les grappins. Allez, tire-lui dessus, là. Putain, il veut plus marcher, mon âge. J'en ai plus, je crois. C'est bizarre qu'on ait plus. Attendez, je vais recharger parce que là, je ne peux rien faire avec ce mec. Si, une baffe. J'ai oublié le truc le plus simple. Ah, la merde, voilà. Il m'a eu. Comment tu peux avoir? Putain, mais c'est pas une surface là. On va dire qu'on est habitué et puis en plus ça bug. Franchement, le patch de la communauté, hein, faut s'en passer, je pense. Ça augmente, je crois. Il y a quelques petits trucs ici ou là, mais en plus, mais franchement, ça va pas tous les soucis là que ça donne. Enfin, si c'est bien ça. Hein. Après, je sais pas, j'ai jamais joué au jeu version vanilla. En tout cas, c'est bon là, j'étais plus en rade, j'avais ce qu'il faut. Maintenant, voyons voir. Avec ma carte euro platinum. Qu'est-ce que je peux faire? Ça, je crois que ça allait se faire automatiquement moi aussi là. Non, mais c'est qu'en fait, c'est pour retirer juste de l'argent quoi, c'est ça? Ouais, non, ça marche pas. Bon. L5. Maintenant, c'est phase de recherche. Où vont par où passer? On va prendre un petit truc comme ça. La disque, il m'en reste plus qu'un. En fait, c'est hasard. Hein. Là, il n'y a pas écrit. Hein. Ok. C'est au pif, quoi. Donc, c'est sûrement la porte tout là-haut, là. Il faut que je longe le mur, je pense, pour pas me faire voir. Non, bougez plus. Il n'y avait personne. Là j'en ai zéro, maintenant j'en ai plus, ok je comprends mieux le délire. Il ne reste plus que quoi alors? Le taser ou la main? Franchement, le taser il sert à rien, voilà. Alors encore mieux peut-être. C'est pas bien parce que je trouve qu'elle est verrouillée la porte, ok on va les fermer. Tiens. Tiens. Tu putain de merde, j'arrive pas à grimper de l'autre côté. On va donc s'occuper d'abord de lui là-haut. Dès qu'il aura de me tourner, s'il veut bien. Attention, il a une arme. Non. Ah oh, mais j'ai jamais vu un jeu avec autant d'action épidant quoi. Je pense que c'est la porte de derrière ça qui mène ici en fait tout bêtement. Même si je l'ai rouvert, je serais arrivé là. Mais peut-être que j'ai besoin justement de piquer son passe à lui. Parce que eux ils ont l'air d'être au bas de l'échelle quoi. Je sais même pas s'ils ont les clés des toilettes. Allez. Ah, j'étais presque.
Libonium. Hop, hop. Oh, y a moyen. Où est-ce que je m'accroupisse en même temps? Hop. Oh là là, j'ai frôlé. Non, mais je crois qu'il va mieux à les îles. Il va mieux à les îles ici, c'est pas possible. En plus, ça s'accroupit. On s'accroupit même dans les airs. En fait, ça sert à rien de s'accroupir. Sinon, comme ça. Non, il y a un mur invisible ici, c'est pas possible. Oui, je sais, c'est bon, j'ai pas oublié les objectifs, arrêtez de me rappeler. Alors, je vais m'amuser un peu. C'est fermé, c'est pas ça, c'était une fausse piste. Putain, mais c'est quoi alors? Aucun moyen de monter à l'étage. Ça c'est l'alarme, ça sert à rien. Le grappin. Mais oui, je me suis servi tout à l'heure, mais j'ai même pas oublié. Il va bien avoir un machin avec lequel s'accrocher là-dedans, là, attendez, vite, sort. Ce téléphone. Donc c'est ça. Attendez, on est des espions, on est obligé qu'on a... Enfin, ça qui va nous arrêter quand même, c'est pas un étage de merde. Bien sûr, on peut pas le faire sur n'importe quelle surface, il faut trouver la bonne. La voilà. Ça, ça fait plaisir. Là, j'ai une décharge de... l'hormone de récompense. Coup du lapin. Bon, ça avance pas beaucoup nos délires. Hein. J'entends dans le bruit. C'est pour une caméra. Non? Est-ce que c'est juste l'eau qui coule sur la fenêtre? J'ai vraiment cru entendre le bruit d'une caméra là. Le machin qui zoom là ou je sais pas quoi. Il n'y a vraiment rien du tout. Mais quelques munitions. Putain, mais on va faire un sans feu. Voilà, d'où sort celui-là? On se ménage. J'ai pas vu, c'est bizarre. Bah, s'il arrive, c'est il y a bien des portes qui doivent s'ouvrir quand même. Bon, faut redescendre. Puis, le grappin, en fait, ça a sens unique, donc je perds de la vie comme un con pour descendre. Ça, c'est un peu de la merde. Je vais sauter derrière lui quand même. Ben... tiens, 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 tiens. Donne-moi ton passe. Putain, lui aussi était à poil. Tu sais quel agent que je fais, quoi. Putain. Qu'est-ce qu'il y a de plus de moins que tout à l'heure? Est-ce que j'ai récupéré un pass sans m'en apercevoir? Peut-être. Oui, il y a le bruit là, cloc, cloc. Peut-être que je l'ai pas vu, mais peut-être que je l'ai ramassé avant de le voir, toi. Un truc comme ça. Mais du coup, il n'y a plus personne nulle part. C'est là, c'est ici. Attends, 8, F5. J'ai fait une connerie. J'ai lâché la marche, la coupille. Vous aurez besoin du décodeur pour infiltrer leur système, 007. Ah, c'est qu'il m'avait vu le connard, il veut comme tirer à l'épée, mais pas pour m'appeler. Pouka! Donc en plus, mon F5 est grillé, faut que je le défoncer direct, quoi. Je cours, je lui mets une grosse patate de farin dans les dents. Vous aurez besoin moi, de fuck a bitch! Vous voulez appeler la police? C'est joli ça quand même. C'est la modélisation quoi de la tour d'où nous sommes. Ils ont même pris, je pense, des vraies photos pour faire ça. Bon, ouais, genre en 6 pixels par 10 pixels quoi. Allez, on prend le téléphone.
Ah non, pas téléphone, c'est pas possible, c'est plutôt ça là, le truc de tout à l'heure que ça a mis là. Le PDA. Voyons, mon agenda, est-ce que je suis libre demain? Je ne sais pas. Peut-être c'est faire quoi là? Ah ok, je crois qu'il y avait un mini-jeu. Non. C'est bon. Mission presque complète. F5. Parce que le hobby classique que j'ai fait d'avant était à moitié grillé. J'ai eu de la chance. Et du coup, je fais quoi? Est-ce qu'il y a écrit détruire les ordinateurs? Voler les données de Nightfire sur le terminal. Activer les ascenseurs de la tour. Donc là, on n'est pas dans la salle des terminaux, là. Là, c'est que la salle de, comment dire, de surveillance, quoi. La garde. Donc, c'est tir. Hein? Mais d'où on voit à chaque fois là? Et vous vous réveillez? Et ça explique tout. Et ça, bah, le jeu est mieux fait que je pensais. Hein. Voyons voir si encore les cordes de ceux que j'ai éclaté tout à l'heure là. C'est qui se réveille, ok, d'accord. Voilà pourquoi j'ai l'impression qu'il y en avait plein qui pop. Ok, bon, faut que je me speed. Donc il se réveille encore. Ascenseur déverrouillé, donc faut que je revienne là-bas, merde. Reprendons la main. Oubliez qu'ici on a pas droit de tuer. Nous avons vérifié les plans de la tour. Il y a dans les bureaux des lasers invisibles qui déclencheront l'alarme. Vos lunettes devraient vous permettre de les détecter. Il y a dans le bureau des trucs. Pas dans l'ascenseur, hein, c'est ça, hein, c'est dans le bureau. Donc enlève-les alors, s'il te plaît, pour garder les batteries. Voilà. Petite pause de chargement. Moi aussi, je vais juste regarder au niveau du chat. Je n'ai rien loupé, donc j'y retourne. Et hop là, magic. Implanter le Q-virus dans l'ordinateur de l'infrappeur. Implanter le Q-virus. Repérer les rayons laser du système d'alarme 007. S'il me parle de ça, c'est sûrement très proche. Peut-être pas comme ça, je pense, mais plutôt comme ça. Ou comme ça. On verra bien, faut jongler. Parce que tant qu'on voit les trucs, le problème c'est que la batterie a duré 30 secondes. Et heureusement qu'ils sont un petit peu cons. Ils voulaient aller là, mais le pathfinding était faussé, mon vieux, parce que tu peux pas passer. Il y a un mur invisible, parce que moi non plus je peux y aller. Ah si, ici je peux. C'est fermé. Bon alors on les voit comme ça. Comme ça on les voit pas. On les voit pas, c'est bien comme ça. Hop. On sait qu'il y en a là, donc on peut pas passer. Il y a 8 ans qui nous voient l'autre. Je suis pas sûr s'il m'a vu ou pas. Donc je vais attendre pour faire un F5. Parce que le problème c'est que... Regardez. Ouais, il manquerait un petit système de couverture quand même. Parce que là, quand il va regarder, bah, t'es comme un con quoi. Tu te fais voir. Je pense que c'est bon, je peux faire un F5. Hop. Au pire, il y a le checkpoint. C'est bon. C'est bon, on a pas vu la jambe. Enlève-les, putain, des fois ça marche une fois sur deux. Il arrive. Un ordinateur de peut-être bien que c'est cela. Hein. Oh, bah. Ah, par contre, c'est pas simplement juste une skybox. Hein. Il y a des modèles 3D à l'extérieur et tout. On voit même bah, le hall où on était tout à l'heure. Quoi, ça va. Comme je disais, le design n'est pas trop dégueulasse. On va voir ça dans le niveau d'avant, même si justement c'était fait pour nous perdre. Et bah, justement, je me suis perdu. J'ai réussi leur pari.
Ce serait cru dans Shadow Warrior pour un truc comme ça. Dans ce... Chinoise, je pense pas que ce soit un truc avec interagir, ça va l'allumer, mais c'est pas ça. C'était quand même déjà des écrans plats, quand même. Il y a aussi des caméras de sécurité à cet étage. Si vous en croisez une, prenez garde à ne pas passer dans son champ de vision, 007. Ok, on va déjà aller F5, mon gars. Pénénton, pénénton, pém, 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 pém. Maintenance. Salle de serveur. Ah bah voilà. Ne bougez plus. Non. Les détecteurs laser 007. Ouais, c'est le mec qui pêche. Détecteur laser 007. C'est un échec. Oui, alors. Ouais, charge. On est à 3 heures. Loi de game. Sauvegarde auto. Juste derrière la porte. Faut juste faire gaffe au mec et à la caméra. C'est pas ça ma sauvegarde auto. Non, mais auto. Pardon, sauvegarde rapide. Moi qui confond. Voilà. Ce sera mieux. L'autre niveau, j'arrive à les fermer, bon, c'est pas grave. Bon, par sécurité. Pas de laser, rien. On descend. Donc, c'est pas ça, c'est pas là? Ça me fait marrer parce que j'imagine là, James Bond en train de sauter partout, un peu sur le bureau et tout. Attendez les gars, qu'est-ce qu'il faut faire? Un espion! Il m'a fait pas un scopeur, ce pote! Slender! Il vient d'où? Il est à Peter, il est un peu. Bon, c'est pas là. C'est bon. Mission accomplie. En train de s'accomplir. En face, ça sert à rien. Tu l'as acheté tout à l'heure. Ça serait là-bas. Là, comme ça. Hop. Je vais pas hésiter. Il y a sûrement quelqu'un qui attend de manger son petit déjeuner là. Non mais c'est con, on a toute notre panoplie sauf des jumelles. Juste regarder ce qu'il y a en face là. Est-ce que c'est des armes ou de la bouffe? Bon, on s'en fout, de toute façon les armes, on a pas besoin. Reprenons le point. Merde. Oh, tant pis, sauf avant. Peut-être qu'il a fait un truc. La bécu ou quoi cette caméra? Oups. Ouais, en fait, c'est qu'elle était en mode genre j'ai cru voir quelque chose, je suis pas sûr. Donc, je signale bien que. Voilà. Mode jeu vidéo. J'arrive à faire F5. Cette caméra elle a l'air d'avoir un angle fixe, contrairement à elle. Et il y a l'angle mort. F5.
Du coup, il y a encore un mec quelque part là dans le noir que je vois pas. Quoi là? C'est pour le fun. Je l'ai vu là ou pas moi? Ah, ça m'a le bureau du boss ça! Pas de caméra? Cet ordinateur là me paraît un petit peu trop. Voilà, désolé. Je vais pas être un peu. Hop! Allez, fous-moi ça. Ah non, c'est à moi. C'est... Ah ouais, attention, c'est RP. Tudu-tudu. C'est pas ce que j'ai fait? Si. C'est qu'il faut que je le récupère, non? Pourquoi il y a encore la... il y a encore la dédication, alors? Ah si, c'est bon. C'est l'ordinateur du chef comptable, maintenant, qu'il faut que je trouve. On note ça sur notre agenda, c'est bon, c'est fait. Reprenons l'arme ultime du jeu. Bon, tous les coups, c'est un bureau encore un peu de ce genre-là. Il ne sera pas à côté. Du coup, bah écoutez, voyons voir ce qu'il y a derrière cette porte. Si elle est ouvrable. Non. Elle est verrouillée. Ah quoi que c'est ça, c'est là hein. Alors, apparemment ici on n'a rien à faire. Ah j'ai des fléchettes. Le mec je sais pas ce qu'il faisait avec mais merci. Ça permettra de les avoir à distance 3 ou 4 là c'est toujours ça. Viens voir. Est-ce qu'il faut la recharger? Si oui je vais pas faire recharger une tout de suite. J'ai l'impression d'avoir bégué encore. Ah c'est bon. Il met toujours un petit temps à apparaître. Et là il y a quoi? Ça c'est juste la salle de l'imprimante quoi, c'est la salle de stock, il y a des bureaux en trop, les casiers. Ok, il n'y a même pas d'imprimante d'ailleurs. C'est la salle du dépotoir. Des lasers. Bon, F5. On reprend l'arme ultime comme je disais. Sauf que je sais plus d'où je viens, d'où je pars. Ah ouais, je viens de là-bas. Là je peux pas y aller, il y a des lasers. Où est-ce que je fasse gaffe à cette caméra de merde? L'angle mort. Hop. Il va se réveiller dans pas longtemps, faut que je fasse gaffe aussi. Celle-ci elle souffle pas, hein, si je crois. Alors si elle souffle, de toute façon je crois que je l'ai déjà fait. C'est sûrement par là d'où je viens, je sais même plus. Je suis passé par là, je crois. Elle souffle pas. Donc c'était elle qui m'intéressait. Et là, c'est un angle stable, enfin fixe. Alors de très une petite rotation, mais vraiment une minuscule rotation de merde. Donc là, ça mérite à F5 parce que je vais foirer une fois sur deux. Il y a ce pas. C'était la douille, c'était le piège. Quelle bande d'enculés. J'ai vraiment cru. C'est vrai qu'en fait, je crois que toutes celles qui n'ont pas les poignets ne souffrent pas. C'est con, mais je viens de tilter que maintenant. Ils ont pas de poignets, c'est un truc tout plat, c'est une texture. Bon, moi, c'est bien, comme ça, je sais de loin laquelle s'ouvre, laquelle s'ouvre pas. Il y en a une ici, une caméra, alors. Il y a un mec. Toc. Là, elle a une poignée à droite. Hop là. Elle était belle celle-ci. Ça m'a arrêté F5 tout de suite. Donc il n'y a pas de lecteur de disque. C'est là. T'appuies sur un bouton parce que c'est bon. C'est cool, parce que le script suit vraiment la logique. S'il a pas le temps d'entrer les codes entiers, ça sonne pas. Parce que ça aurait pu juste dès que l'action se lance, dès que l'animation se lance, c'est bon, quoi que tu fasses. Il y a des jeux, c'est comme ça. Peut-être le premier Splinter Cell d'ailleurs, je ne sais plus. Là, il y a quand même cette petite subtilité qui fait quand même. Ça peut jouer un petit. Voilà, ah, c'est là. Miam. Qui c'est qui peut se drager? Hop là. C'est moi j'ai fait bugger l'animation en strat. Hop hop hop. Même si je pense qu'il a déjà sauvegardé quand même, on sait jamais, la dernière fois je me suis fait avoir.
pensais qu'ils sauvegardaient à tous les objectifs, mais non, pas tout le temps. Donc là, pour être sûr, voler les données du Night Fighter sur le terminal. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire parce qu'elle est censée être la seule, le seul objectif en fait au début. Mais bon, comme d'habitude, on donne le petit doigt, on nous prend le bras. Ce serait plutôt par là-bas. Parce que ça, c'est des portes qui s'ouvrent pour. C'est bien ça, j'ai compris le code du jeu, c'est bon. Bon, c'est logique, hein, on va dire. C'est un peu difficile d'ouvrir des portes qui n'ont pas de poignée. Hop là, la fontaine d'eau. Pas d'interaction possible. Pas de caméra. J'ai une passe de la sécurité. Hop, sans que. Et hop là, on sort l'agenda. On enlève tous les lasers. J'ai pas compris, c'est ça le délire. Maintenant, on s'en fout, j'ai une parole. C'est plutôt la caméra qui j'aurais préféré. Ça va peut-être nous dévorer là où on doit aller. N'oublions pas les bonnes habitudes. Hop là. Donc là, je peux y aller. Pourquoi il. C'est juste pour la porte en fait, ok. C'est un chargement. Elle s'ouvre, mais il n'y avait rien dedans, quoi. C'est noir. Il charge le reste, et voilà. Implanter le Q-virus dans l'ordinateur de contrôle des ascenseurs. D'accord. Ah, lui va se faire un petit. Peut-être temps de le faire à distance. J'ai loupé. Oh, timing mauvais, si c'est bon. C'est pas du tout. Je pensais que j'allais le rejoindre là comme ça, mais non. C'est pas ça. Peut-être par là. Plutôt. Pas de caméra ici, c'est cool. Il y avait sûrement son goûter là-dedans. Quoique vu qu'il allait se bouffer un truc ici. La grosse clé à molette, il se l'a mis dans le crâne là. Ah, ça va être. Oups. Oh, pfff. Fuck. La plus récente, parce que là, attention, c'est ça. Clairement, il y a le checkpoint là. Ici. Donc. Avant d'aller là-bas. Je défoule. Mais pourquoi tu jettes des gilets pare-balles alors qu'on est bien censé ne pas. Oui, quoi. Bah, c'est au cas où qu'on se fait tirer dessus ou taper dessus, peut-être. Peut-être ça qui va être utile plus que le point, parce qu'on va bien voir comment ça se passe sur les deux. Il y en a plus de poil de jeu. J'ai un meilleur timing ici. J'ai pas un meilleur timing. C'est lui intérieur qui va nous faire chier. Si je fais. Je vais essayer d'endormir son pote quand même. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah oui, il y en a d'autres. Oh, lui va être gênant parce que lui nous voit de haut. J'aurais bien voulu me le faire juste au coup de poing, il y avait moyen parce que. Du loot. Bon, que j'observe. En fait, faut que je fasse le tour. Ok. Et comme je disais, lui qui est en hauteur, là, il faut que je me passe avec une petite fléchette. Celui va me gêner, sinon, je pense qu'il va me voir quand je vais vouloir contourner. Oui, il a la vue sur toute la pièce. Je pense qu'il n'est pas mis là par hasard. Je voulais me le faire au coup de poing, ce qu'il y avait moyen, mais le problème, c'est que l'autre, il nous voit. Donc, je voulais économiser. Enfin, bref, vous allez voir. Sauvegarde rapide. Non, c'est plus récent, plutôt.
Peut-être que justement je peux économiser elle que je voulais économiser en faisant lui un menu embourrement. Hop. Quoi que ce soit que. Voilà, comme ça j'aurais quand même économisé celle que je voulais économiser, mais d'une autre manière. Hop là. Et du coup maintenant, hop là. Hop 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 hop. Toi, tu vas être pris d'une grosse fatigue chronique imminente. Putain, j'ai loupé. Dégoûté. C'est quoi ce délire? Oh, c'est qu'il y a quand même un bullet drop dans ça en fait. Bon, je vais recharger pour être sûr, mais bon, je sais que je peux me faire celui-là. Comment ça? Bon, la prochaine fois, je m'approcherai un peu plus. Je suis obligé de recharger, j'ai tout niqué là. Non, putain, plus récente, je sais pas, je me fais voir. Le premier, c'est vraiment pas une menace. Oh putain, le jeu de bug. Ouais, c'est gentil, heureusement. Encore bug d'animation, bug de. D'animation, on va dire ça, ouais. Hop. Et allez, ouais, voilà, enfin. Je m'approche un peu plus quand même. Enfin, ici, et je lui mets dans le cul. Voilà, là, il l'a senti. Est-ce que ça va inquiéter son. L'autre. Normalement, j'espère que non. Donc restons sur ça au niveau des gadgets et reprenons notre arme absolue. Hop là. Ah, il y a lui là-haut. Ça va, il n'y a pas mal à prendre lire. Il y a l'autre là-haut. Putain, mais ça va être compliqué ça. Ça va mériter. Plusieurs essais, c'est ça. Je sais pas c'est quoi ça roule de l'hiver. Ah, puis c'est vu FPS, elle est plus qu'handicapante. C'est heureusement que quand ils sont de dos, une pêche que lui met au sol. Bon, ça peut pas être si bien que ça. Pas de F5 tant que je suis pas sûr. F5. Donc ça mène à l'intérieur ça. Et là où il est lui. Ça tombe bien, c'était là. Ascenseur de l'attique activé. Problème de sécurité. Ascenseur de l'attique désactivé. Double 07. Les protocoles de sécurité de l'ascenseur sont plus complexes que nous le pensions. Drake doit cacher quelque chose de très précieux là-haut. Trouvez un autre moyen pour grimper les 8 étages qui vous séparent de son bureau. Trouvez un moyen qui sépare les 8 étages. Ouais, faut que je passe, faut que je. Ouais. Faut que je monte, quoi, faut que je simple. Mais autrement que par les ascenseurs, en fait. On est tombé à l'eau. Et donc ils s'en remettent à la faculté d'adaptation de James Bond. Voyons voir ce qu'on peut faire. Merde, je vais tester. C'est bon. Bien. Pas pour moi. Fuck.
Ah, ils étaient à se servir de ça, hein. Ouais, il n'y a pas quelqu'un là, j'en ai. Normalement, il me reste deux. Si vous voulez la pâte. Au moins un. Lui qui va me voir en premier. Putain, j'ai du mal. Maintenant, on prend ça. Le temps qu'il reste. Voilà, au revoir. Il n'y a rien. Il n'y a rien. J'ai une vraie ombre. C'est en voyant le gameplay là, vous avez envie d'y jouer, je sais. Vous avez envie, hein. C'est réalisme. Je vous dis, hein, là, il faut de la pratique avant de arriver. Skill aussi. Perfect timing, quoi. D'utiliser votre grappin pour escalader ce bâtiment. Je ne l'ai jamais testé sur une surface humide, mais je pense que cela ne devrait pas poser de problème. Ok. Sauf qu'il faut trouver déjà la surface qu'il faut. Je pense pas que ce soit au pif. Hein. Peut-être avec sur l'ascenseur qu'il va falloir viser à tous les coups. Un seul ou quoi? Avec un? Est-ce qu'on pourrait pas faire une diversion avec ça? Je sais pas, un truc bizarre qui pourrait. Je pense que c'est là. Ça me paraît un peu haut quand même. Je teste, mais je pense pas. Même la texture me laisse penser que c'est pas vraiment fait pour. Non, c'est bien trop. Ah, cinématique. Ok. Ah. C'est bien Grimpin qui l'a dit pourtant, ou c'est moi qui ai fait une hallucination auditive. En tout cas, voilà, un peu de TPS. Franchement, comme je disais l'autre fois, c'est pas dégueulasse. Regardez-moi ça, le Pierce Brosnan, regardez-moi sa petite bouille, franchement, honnêtement. Le face, je sais plus quoi là, en tout cas, ils ont bien reproduit sa tête, ça va. Il y a vraiment pire pour 2002. Par contre, ça va être chiant si c'est tout le long là. Ah, peut-être que c'est une phase d'infiltration. Déguisé en même temps. Faut qu'il fasse. Regarde ailleurs. J'ai aucun autre choix. Je peux prendre mes. Enfin, je peux rien faire en fait. Je peux les prendre, mais ça sert à rien. Alors, je pense qu'en fait, je me casse les couilles, mais il suffit de passer à côté. Et pas attendre qu'il tourne le dos. Pam 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 pam. Tan 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 tan. Pim pim pom. Pim pim pom. Pim 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 pim. Regardez-moi ça, c'est ombre. Qui peut voir Pierce Brosnan? Personne. S'il veut pas être vu, il est pas vu. Et là, tous les coups, il va falloir aller à droite. Non? Si. Pim 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 pam pam. Lui, il bouge, c'est déjà un peu plus compliqué. On va pas trop attendre. Ouais, il faut y aller au culot. On va dire qu'on a pas, je pense. Je sais pas trop ce qu'il va foutre. C'était le bon timing en fait, putain, je me suis fait niquer. Et là, tous les coups, c'est bon. J'aurais dû faire une F5 juste avant. Ah, c'est comme ça, regarde le tableau, comme il est beau, c'est bon. Il avait juste là, je l'avais pas vu, regardez. C'est à côté du pot et du banzai, ou je sais pas trop. Du banzai plutôt. Du banzai. Encore une fois. Le petit arbuste, quoi. Et ben, il y avait un mec, mais il m'a même pas vu, mais en fait. Ouais. Bon, un F5, mais en vrai, bon. Apparemment, on risque pas grand chose. Ah, le F5 ne marche pas ici, non. F5 désactivé, parce que ça marche pas. Il a écrit partie sauvegardée normalement. Oh, il est mort. Le mec est. Noo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 
pense pas que ça soit elle. C'est exactement la même que la plus récente. Donc, ça n'a pas marché, comme je disais. Alors là, ouais, c'est ça. Ça marche pas, c'est bien rapide ici. Je vais quand même en faire une ici, comme ça, moi, si jamais je repère, j'aurai juste besoin de faire deux pas. Voilà, hop. 1, 2. Passons ça, on connaît, hein. Donc, au culot. Parfois, le timing est bon, il faut juste pas s'arrêter. Je vais obligé de faire ça. Ça joue d'une main. Hop, je profite pour terminer ma clope. C'est pas forcément ce qui est le plus passionnant, mais bon. Je le vois pas, mais je pense que c'est pas. En fait, je crois que le mec avec les casquettes sont biglés. Lui tout à l'heure, je suis vraiment passé devant lui parce que j'avais pas vu. Là, je vais quand même prendre plus mes sécurités, mais lui, je crois qu'en fait, il a les yeux fermés. Ils sont morts. Mais c'est bon, on sait qu'il va regarder quelque chose dans le tableau et attendre. Après, c'est au-dessus que ça se complique. Peut-être que là, il va falloir observer un peu avant d'aller. C'est pas là, c'est après. Je pense qu'ils vont rester tous les deux là et après dès qu'on commence à partir à faire quelque chose. Parce que l'impression qu'il vous voyez, sans me voir là, il y a des drôles d'animation, mais c'est bon. Dès que l'autre tourne sur le dos, hop là! Regardez le tableau, c'est bien. Bon, espérons que ce soit le dernier étage, hein, pour une raison. C'était 8 qu'il fallait prendre. Pourquoi on lui est 8 là? Je peux le monter. La zone ici, peut-être qu'il faut rentrer là. C'est ça. Ah, c'est... Ouais, il y a pire. Hein. J'ai fait que deux fois. Ça peut être 10 fois plus. Puisqu'il fallait être patient en dernier. Quoi. Dans le doute, parce que on sait jamais avec le jeu, je préfère me sauvegarder. Voilà les données de Nightfire sur le terminal. Vrai que j'ai désactivé normalement tout ce qui était sécurité. Super sécurité, justement. Je vais mettre en mode comme ça, au cas où si je vois un truc. Bah, c'est pas justement le mec là, contre le truc. Maillot, c'est bien ça. Ça paraît pas passer directement ici comme ça. Ça, c'est sûrement la secrétaire, ça, c'est son bureau. Quelque chose me dit qu'il va y avoir une cinématique. Tu caches. Apparemment, c'est la même chose déjà. Hein. Voilà, il me semble que je peux. Ils m'ont dit que je pouvais les buter hein, parce qu'ils sont armés, c'est plus les civils. C'est les hommes de main. Donc leur vie n'a pas de prix. Dans le mauvais sens du terme. Pam 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 pam. Parce que je pense qu'avec mon plan, là, je vais pas durer longtemps. Hein. Je vais tous les fister. Ça se passe là, je pense. On peut aller là aussi. Ah là non. Il y a
la poignée, on peut pas l'ouvrir, y a pas. Salle de rue. C'est quoi? Ah, c'est moi qui ai cassé la table, c'est vrai, j'ai oublié. J'ai cru que quelqu'un avait cassé la vitre et j'ai jeté une grenade. Y'a rien. Tiens, bon, ça laisse aller. Et les pieds sur la table. Bon, allons-y. C'était la porte là. La salle du terminal doit être derrière cette porte. Espérons que la clé de Meiyu fonctionnera. Avant le dernier cliffhanger, petit tour sur le chat. Hop, attendez, j'ai l'impression que ma webcam a bug. Non, en fait, c'est bug. Moi, je bougeais pas. J'ai l'impression qu'elle avait freeze. Et on y retourne. Pam, 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 pam. Je pense que c'est par là que ça se passe d'abord. Ouais. Veuillez entrer le code. Je peux pirater, je crois. Bon, on va prendre ça dans les mains, parce que je pense qu'on va pas avoir affaire à de simples gardes. Et là, il faut l'agenda. C'est bon. On va récupérer des clés ou quoi? Ah, c'est que c'est un serveur, c'est vrai que beaucoup de serveurs sont refroidis comme ça dans les piscines. Comme un réacteur nucléaire d'ailleurs. Je vais taper avec le canon de mon gun. Fichier de l'UNFR récupéré. Bon là, à tous les coups, je savais. Voilà. C'était prévu, hein. C'est, hop, au début, infiltration, mais la fin, c'est extraction en mode bourrinage. Partout au monde que j'avais jeté ma main. J'ai rendu à 1000 de la crème, ça se gâte. De vie quoi pour ce jeu, en fait. Comment on va faire le plein d'armes? On va reprendre ça tout de suite. C'est quand même un peu plus efficace. Oh là là, je m'embrouille dans la visée. Et la visée elle fait bugger la souris parfois. Putain, c'est de la merde ça. Ah ouais, non, mais je déteste. Sensibilité variable. Et j'ai remarqué c'est que cette arme là qui fait ça. Ça m'a fait ça beaucoup de fois dans le niveau précédent déjà. Bon, au moins là je vais pouvoir recommencer et essayer de perdre moins de vie. Dès le début. Ah merde, par contre, ça manque. Bon bref, c'est pas grave. Ah j'ai pas. Ah ouais, vraiment là, genre. Ok, je passe quand même. Il suffit pas d'aller pirater le serveur, il faut aussi mettre ça là, putain. Comme je disais, les sauvegardes rapides sont pas terribles. Y'a pas des gilets là? Enfin, là si, voilà, des plaques. Nickel. Donc c'est bon. On sait que ça sert à rien d'aller ailleurs. Pas de secret, que dalle. La salle du terminal doit être derrière cette porte. Espérons que la clé de Meiyu fonctionnera. Non, prenez le truc, tac 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 tac, hop. Je vais faire F5. Dès que j'aurai fini. Ouais, plutôt. F8.
ou juste avant. Ouais. Un petit peu de marche comme ça. Bon, pas foiré, ça me garde. Ouais, on est sur ça au cas où. Voilà. Dès que ça fait 6 F5. Voilà. 8. Insensible au headshot. J'ai pas de balle. Si voilà, les headshots quand ils veulent, ça fait mal, ça fait bouche, tant mieux. Une égratignure et ce sous-carreau. On voit pas le coup de faire F5 parce que du coup je suis un peu dans la merde. Voilà. Putain, mais cette phase de fusillade. Encore j'aurai un sniper, ouais, mais avec ça là, c'est alors, vraiment je passe des hitshots que je n'arrive pas à faire apparemment là, en tout cas au début. Sauvegarde rapide, yes. Ouais, encore je pourrais piéger la zone, mais je peux pas piéger la zone, j'ai pas de mine, j'ai rien. J'ai qu'un chargeur là-dedans, c'est la seule chose qui me permet de les avoir à distance. Bref, on va tenter une tactique. C'est qu'on est sur aveuglé, il tire partout sauf que là aussi. Il va finir par crever quoi. J'ai bien géré là. Des tactiques. Vous avez les données de Nightfire. Excellent. Avant de partir, nous aimerions avoir une meilleure idée de ce que prépare Drake. Placez un micro dans la salle de réunion et un autre dans le bureau de Drake, dans la tique. Bonne chance, 007. Ah mais c'est doute pas qu'on a piégé la jaune quand même. Donc, un dans la salle de réunion et dans la salle de l'autre, c'est ça. Hein. Voilà, sauf que ça va nous le faire, ça sera la cinématique. Ça trouve une arme. On la remet. Le mec il avait prévu le coup, c'est au cas où qu'un de ses associés veut lui faire à l'envers. Dans le bureau, hein, si j'avais compris, c'est le bureau maintenant qu'il fallait mettre sur écoute. Non? Ouais. Bureau de Drake. Bah, c'est sûrement ça, Drake Weshen, mais ça. Je pense que c'est pas très ça de toute façon. Est-ce que ça va être une cinématique encore? En fait non, c'est pas là. Hein. Je pense que ça allait se casser. Là, a peut-être vu le poisson se secouer sur le sol, vous voyez. Mais non, c'est pas prévu. C'est pas ça, c'est la secrétaire, ça. On s'en fout un petit peu d'elle, non?
pas elle qu'il faut espionner. Bon, F5 quand même. Ça, c'est l'ascenseur, ouais. Ça ne me servait pas là. Mettre dans le bureau de Drake situé dans l'attique. C'est quoi une attique? Ah, je peux passer par là maintenant, ça veut dire que c'est là. Je vais faire la réunion, mais le bureau se trouve ailleurs. Ouais, c'est bien ça. Il faut partir d'ici, James. C'est un piège. Je l'ai bien compris. Vous ne comprenez pas. Drake ne pouvait pas ouvrir le coffre de Mayu sans le mot de passe. Et il ne vous laissera pas partir avec les fichiers de Nightfire. C'est une obligé de faire semblant d'être amoureux, mais bon. C'est votre seule chance de vous enfuir. Dominique, si Drake vous découvre... Pensez-vous être le seul espion capable d'amener quelqu'un à lui faire aveuglément confiance? Et MF6. Du coup. C'est bon. Je vous en prie, James, partez. Bon, on est déjà ici. Du coup, on est passé. On vient de là, je suppose. Bon, comme je sais pas trop le jeu de combien fonctionne des fois, et ça veut dire des fois ça ne regarde pas, j'en fais une moi. Et je vois que c'est clair. Il y a une porte là-dedans ou pas? Je suis content d'un tir. C'est juste moi qui marche dans l'eau. C'est ça. Ça me semble ça. Hein. Vu comment c'est mis en visu. Donc je pense pas que le mode bourrinage, je rentre par la vide, c'est bon. Une porte, c'est bon. Je vais me tirer sur la vide pour essayer de la casser, mais à mon avis, c'était pas possible. En plus, une porte qui s'ouvre automatiquement, que demander de mieux. Bureau sur écoute. Ça, c'est fait. Je passe à côté, je vais fleurer. Ah ah. J'ai pas de lance-roquette, y'a rien, j'ai pas vu de truc. Y'en a pas quoi. Encore, ils en auraient mis un emprunt. Ah, c'est qu'ils l'ont carrément bousillé. Est-ce que c'est mes alliés qui ont fait ça? Y'a pas intérêt de mettre un micro? Je pense pas. Bon, faut que je me casse, hein. Je pense pas pour me le faire. Ah, quoique, regardez ce qu'ils ont. Je vais pas ouvrir la porte, mais j'ai déverrouillé l'accès. Et pourquoi j'ai pas accès à tout? Bon, il faut la montre magique. Moi je veux des lance-roquettes, putain, mais ils sont juste ici. Je n'ai pas ramassé quand même, si. Non, j'ai pas de lance-roquettes. Testons un truc. Après tout, on est James Bond. Là franchement ouais c'est gentil, il y a des armes, mais moi je voulais la enquête quoi, sinon là. Et faut me dire que j'ai pas tout fait encore. Alors rien. Est-ce que je les force à me tirer dessus? Bon bref. Lui qui lance une roquette, vous voyez, puis que du coup elle a là-dedans et que ça défonce le truc, mais ça me paraît bizarre. Voyons bien ce qu'on peut faire avec ça. Ok, c'est vraiment un truc militaire, il n'y a pas genre, je pensais qu'on pouvait au moins voir le mec qui était sur le côté pour le tuer. Mais c'est bizarre, normalement, là, je me dis, ouais, c'est bon, c'est fait, il faut se barrer. Mais le jeu, il veut bien que, il veut absolument que je défonce l'hélicoptère, ça, regardez. Ok, il y a écrit que je peux ouvrir, mais il veut pas. Est-ce que t'arrives bugué? C'est pas, ça, c'est une grenade stun, donc c'est pas une grenade... ça sert à rien, quoi.
Ça va être long. Je sais pas si c'est possible déjà avec ça. Mais s'il n'y avait pas. C'est vrai qu'il m'a pas vu. Petit fume. Un petit chiquet, c'est de la merde. Pourquoi ils mettent des lance-roquettes pour pas tirer? Ah, ça a été plus crédible que de la botte avec une M16 quoi. C'est pas le moins de la merde un peu là. Est-ce que j'ai loupé un épisode ça me paraît bizarre qu'ils nous foutent en plus, ils nous font bien voir hein, qu'il y avait lance-roquettes. Il y a une grille. Et encore on arrive du C4, une connerie comme ça, ouais. Je vais en mettre à où j'étais là parce que je t'ai tout dit en main. Oh, il est pas con parce qu'il se met à couvert à chaque fois. Il est bien codé, mais là par contre c'est de la merde. Alors, je vais essayer de rappuyer là-dessus des fois que. Sans m'avoir dit assez. Mais... Si je le repirate, c'est. C'est ça. Hein. Il veut rien savoir, ça a déjà été fait. Pourquoi faire ce qui a été fait? Il n'y a rien à pirater, évidemment. C'est pas comme ça que ça va marcher, c'est pas comme ça. Ça aurait pu, hein. Je leur ai dit waouh, ils ont pensé vraiment, c'est cool. Oh. J'ai cru que le jeu a bugué. Je comprends pas le délire, les mêmes faire abattre un hélicoptère. Pourquoi il me met ça sous le nez si je peux pas les prendre quoi? Y'a pas un bouton genre voilà qui était sur le bureau. Ça aurait pu servir. Est-ce que ma première idée était bonne? Faire en sorte qu'il tire ici, mais ça m'étonnerait, il peut pas. Si, il venait d'essayer de me tirer dessus, je crois. J'ai vu une explosion il y a 2 secondes, là. À proximité, apparemment. Je sais pas pourquoi aller pour la vie, mais non. C'est bien ça! Mais c'est pas ce délire qu'ils sont tapés de ces développeurs. Et vu que là j'étais pas sûr que j'avais bugué, j'ai pas fait DM5 parce que je me dis ça se trouve je l'aurais regretté, mais bon au pire des cas ça aurait pas été grave. Bon ça va, on sait qu'on a pas grand chose à faire. Mais du coup, avant de faire venir l'hélicoptère, je vais quand même aller ouvrir le truc. Plus récente, hein, c'est ça? Ou auto, attendez. C'est les mêmes de toute façon. L'auto elle est non, la rapide. Ouais, elle est la même, encore le même tank. C'est pareil. C'est identique. Hop, hop. On enlève le bug pourri. Et on y va. Donc faut bien faire en sorte qu'il nous tire dessus quoi. C'est des malades ces mecs là. Ces développeurs là. On passe par le terrain déjà, ce serait déjà ça. Je garde des boucliers pour après. Parce que je pense que une fois qu'il m'aura tiré dessus. En plus il y a d'autres boucliers. Ouais c'est vraiment prévu pour ça. Mais je vois pas trop comment faire, hein, mais je sais que c'est la seule chose qui me paraît logique, et franchement déjà, j'avoue que je fais un effort. Bureau sur écoute, c'est bon, on sait que lui il va spawner. Donc il n'y a rien à faire sur le bureau, hein. Il n'y a pas de bouton magique pour déverrouiller. Non, c'est bien ça. Faut attendre qu'il me tire dessus. Il m'a pas fait comme ça tout à l'heure, on a pas fait aussi vite. Bon. On va y arriver.
James Bond, il a un petit peu du mal. On va voir juste au niveau. Ça j'ai rien loupé, ça j'ai loupé personne, c'est bon. Hop. Hop. Il y a pas mal de plaques, hein, on va les garder. Comme je disais. Qu'est-ce que je fais? Enlève-moi ça. De toute façon, peu importe ce que j'ai rangé, ça va me servir. Ouais, c'est sur ça. Hop, on met ça. Direct, je vais là. Ah, c'est qui détruisait le truc, c'est pas moi qui faisais ça. Putain, merde! J'ai fait venir. Ah, il est reparti ici. Par contre, l'animation de l'Indico est pas dégueulasse, hein. C'est assez crédible. Mais ça me paraît vraiment trop bizarre, ça, là. Faire exploser à coup de roquette le truc là. Je suis pas persuadé vraiment que ce soit ça. Je suis à F5 en tout cas. Je sais que d'une manière ou d'une autre, je vois pas trop comment faire. Ah si, il détruit tout en fait, regardez, il me détruit ça aussi. Yeah, Battlefield 3 quoi. Qu'est-ce qu'il va faire là-haut? Peut-être qu'il m'ouvre la voie pour que je me barre, hein, tout simplement. Et que l'enquête est liée. Non, il n'y a rien. Bon, en tout cas, ouais, il y a bien un truc lié à la destruction. Je vais aller reprendre des munitions, moi. Il a défoncé cette vite là, donc on peut passer comme ça directement. Enfin qu'il défonce ces vite là aussi là. Il nous fasse défoncer ça. Bon. Pour ensuite, par le plus grand des hasards, j'arrive à faire défoncer ça. Pour enfin pouvoir le défoncer, lui. C'est scripté, pas besoin de... Je voyais pas trop comment, franchement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a été compliqué vraiment de faire viser là. Mais c'est scripté. F5. Et en plus c'est moi qui prends la commande. Ah merde, j'ai lâché quel con. Mais putain, mais ça marche pas! Bref. Faisons comme ça. Ah, c'est qu'il faut peut-être que moi je reste appuyé, faut pas rester appuyé. J'en ai 8, je pense que ça va le faire, mais je vais en prendre d'autres. Ok, j'ai compris le truc, c'est moi, je me suis fait niquer, je me suis fait couillonner. Allez, vas-y, monte ta gueule.
Voilà, faut pas rester appuyé, je reste appuyé sur le clic. Franchement, ça, propre. Je vais pas toucher quoi. C'est qu'il faut aussi que je clique pour le faire exploser. Bon. On recommence. L'esquive et tout, hein. Je disais, l'animation elle est pas dégueulasse, hein. Franchement. Là, il a rien envie à Metal Gear par exemple. J'ai pas réussi à le faire péter quoi. Non, par contre, j'en peux plus. C'est quoi pour faire poser E, je appuie sur tout. J'appuie sur tout. Apparemment ça marche. Ah, c'est qu'il faut recliquer. D'accord. Et sur le même clic. C'est-à-dire le droit. Dans le rotor, ça serait bien. C'est bon, là celui-là fait mal. Non, il m'a tué avant quoi. Mais ouais, c'est bon, je l'ai fait un F5 et le temps que je comprenne comment fonctionne le machin, sinon on aurait dû être. C'est un peu particulier, mais bon, maintenant je sais, c'est bon. Quad. Rapide. Chargé. C'est cool. Par contre, t'as pas dû mettre où j'étais. Parce que lui, il est pas con, hein. Il tire dessus. Alors, je peux faire ça. Non, mais. Par contre, t'es où? Quatre roquettes, putain, je vais crever. Il est là. Je trouvais le délire en fait. Merde, c'est pas la bonne clic. Clique comme ça, on l'envoie normal, il faut cliquer droit. Sans rester appuyé, il faut cliquer une seule fois. Et ensuite, on rappuie pour le faire exploser. L'esquive, il se barre et tout ça, j'aime bien. Une petite manœuvre assez crédible. Pour un jeu qui va comporter une ou deux séances. Ah, j'aurais dû m'en mettre à l'intérieur, j'ai fait le con. Une ou deux séances. Allez, pique-toi dans le rotor là, on va le mettre bien. Hop, voilà. On rampe à l'intérieur, on met notre flèche, nos fesses en sécurité. Le mec possible, il est où? J'ai vu des leurres. Donc il est là, voilà. Il est là. Donc, je peux tirer comme ça. Where is it? Il en faut combien, hein, sérieusement? Est-ce que je fais bien exploser le truc au moins? J'ai un peu de mal à voir, hein, parce que ouais, à chaque fois je reviens sur mon personnage, je ne sais pas si ça a vraiment explosé, mais je pense que oui. C'est bon, si, c'est bien ça. Il en fallait pas mal. Kiko, où êtes-vous? Mission complete. On va tirer sur la voiture. Ouais. Alors, encore en bonne compagnie. Désolé de vous tomber dessus à l'improviste, bon, mais puis-je faire un petit bout de route avec vous? Ça, c'est obligé. C'est fait par des mecs. Des mecs un peu beaux. J'ai trop anticipé ce petit fou rire. C'est petit rire un nous peu, avons décodé voilà, les fichiers de Nightfire que vous avez récupérés cette nuit, 007. Ça se passe de ils commentaires. Contiennent des informations troublantes à propos d'une centrale nucléaire désaffectée près de Tokyo. Phoenix Corporation a été chargée de l'élimination de matériaux radioactifs de cette centrale. Nous soupçonnons les tours d'avoir été utilisées comme chantier de construction. Notre mission consistera à infiltrer la centrale et à découvrir ce que Drake y cache. Comme toujours, okay. 007, bonne chance à vous. Et nous aussi, comme toujours. Il a réussi à s'introduire dans le complexe. Ah, c'est pas fini. Les gardes d'élite s'occuperont de lui. Ah, nouveau personnage. Je descends couper le courant pour qu'il ne nous suive pas. Si bon d'atteindre le centre d'entraînement, je le remercierai personnellement pour ce qu'il m'a fait. Tout le plaisir était pour moi, Hawk. Ok, belle connaissance. Note grave out of date rebuilding. Ouais. Bon, oui, je disais comme toujours, nous aussi, on va s'arrêter là. Hein. On fait chaque épisode. Je regarde la cinématique pour le cliffhanger et pour donc vous mettre le suspense jusqu'au prochain épisode qui commencera donc ici.
jusqu'à la prochaine cinématique aussi, enfin la vraie après le niveau quoi, et ainsi de suite. Et comme vous pouvez le voir, bah, ça joue plutôt bien, comme je vous ai dit, hein. 2002, Display des Maladons en Abandonware, pour ceux qui veulent avoir un petit avant-goût des FPS à l'ancienne, sans pour autant se retrouver avec du Doom, avec des sprites et tout, mais avoir un truc quand même assez entre, voilà, entre modernité et tradition, ça peut le faire. C'est disponible gratuitement, sans prise de tête, parce que ça tourne plutôt bien, sur le, voilà, y a, pour tout un tas de raisons, donc voilà, c'est tout. Et on se reverra pour la suite, comme dit juste avant. Sur ce, prenez soin de vous, et bon jeu à tous, pardon. Allez, ciao.